Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cette petite chenille avec tous ces jolis reliefs pour enfants, bébés. Donc voilà, j'ai fait ça vraiment pour que les enfants viennent toucher, viennent découvrir un peu toutes les formes que j'y ai mises. Voilà, donc pour la réaliser, j'ai utilisé, donc comme vous avez dû voir sur ma chaîne, j'ai fait un unboxing de des pelotes que m'a fait découvrir la boutique en ligne Loupation. Donc elle m'avait envoyé plein de couleurs, donc une pelote de chaque couleur. Et du coup, j'avais fait le hibou qui est sorti déjà il y a un petit moment. Et du coup, ben, je me suis dit que j'allais finir un peu mes pelotes comme ça. Donc vous voyez que il y en a qui me restent pas beaucoup. Approximativement, il vous faudra une pelote de chaque couleur que vous voyez ici. Violet, rose, bleu, jaune, rouge. Voilà. Vraiment une pelote, pour moi, ça suffit. Voilà. Vous voyez, le jaune, c'est celui que je me suis utilisé le plus. Et il m'en reste encore un peu. Alors, c'est de la pelote Amy, donc que vous pouvez retrouver dans la boutique en ligne Loupation. Et c'est une pelote de 50 grammes et de 85 mètres. Donc, vous voyez, elle n'est pas très longue, mais elle est plus épaisse parce que c'est du numéro 4. Et du coup, ben, il va nous falloir moins de tours, moins d'augmentation pour pouvoir avoir déjà une boule assez assez conséquente. Donc pour la crocheter, j'ai utilisé un crochet numéro 3. J'ai eu besoin également d'une paire de ciseaux, d'une aiguille et de la ouate. Donc sur ce, on va pouvoir commencer le tutoriel. Alors pour commencer, donc je vais prendre le fil de la couleur que vous voulez. Donc là, je vais faire une boule de la chenille. Je viens faire un cercle magique. Je vais faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, je vais faire 6 augmentations. Une. Deux. Et 6. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je vais faire 2 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, 5 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, je ferai 6 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 48 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé donc mes rangs d'augmentation, j'ai mes 48 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 7 mailles serrées, 4, 5, 6 et 7 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang, j'obtiendrai 54 mailles. Le rang d'après, je répéterai 8 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 60 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé tous mes rangs d'augmentation, j'ai mes 60 mailles. Et maintenant, mes 60 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant
10 tours, donc 10 fois 60 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Maintenant, je vais venir faire mes diminutions. Donc, je vais commencer par répéter 8 mailles serrées. 4, 5, 6, 7 et 8. Et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 54 mailles. Le rang suivant, je ferai 7 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 48 mailles. Le rang suivant, 6 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, 5 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 2 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, 1 maille serrée, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles. Et le dernier rang, je ferai 6 diminutions. N'oubliez pas de venir ouater petit à petit votre boule. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc là, j'ai fait 2 petites boules. Je vais en faire d'autres. Et on se retrouve pour faire la tête. Alors, pour la tête, on commence donc avec un fil de la couleur au choix. Moi, je vais prendre ce violet. On vient faire un cercle magique. Donc, il va se commencer exactement pareil que pour les boules du corps. Donc on va faire 6 mailles serrées à l'intérieur, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite on vient faire 6 diminutions, augmentation pardon, 6 augmentations. 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce que je vais venir répéter, ça sera une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 18 mailles. Ensuite, on va faire le même nombre de rangs d'augmentation que pour la boule. Donc, le rang suivant fera 2 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 24 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 30 mailles. Le rang d'après, 4 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 36 mailles. Le rang suivant, 5 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 42 mailles. Le rang d'après, 6 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 48 mailles. Le rang suivant, 7 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 54 mailles. Et le dernier rang d'augmentation fera 8 mailles serrées, une augmentation, et on obtiendra 60 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs d'augmentation, j'ai mes 60 mailles. Maintenant, ce que je vais venir faire, donc ces 60 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 5 tours. Donc 5 fois 60 mailles serrées et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 8 mailles serrées, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, et une diminution.
Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 54 mailles. Le rang d'après, je ferai 7 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 48 mailles. Le rang suivant, je ferai 6 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 42 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs de diminution. J'ai mes 42 mailles. Et ces 42 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 10 tours. Donc 10 fois 42 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 5 mailles serrées. Et 5. Et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 36 mailles. Le rang d'après, je ferai 4 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, 1 maille serrée, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles. Et le dernier rang, je ferai 6 diminutions. N'oubliez pas de venir ouater petit à petit. J'ai terminé tous mes rangs de diminution. Je suis venue ouater ma tête. Maintenant, je vais venir faire une maille coulée. Garder du fil pour la couture. Et couper. Et donc, ce fil... Avec mon aiguille, je vais venir la faire passer donc en dessous pour pouvoir venir le coudre au corps. Alors maintenant, je vais vous montrer comment réaliser les pieds. Pour ça, je fais un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 4, 5 et 6. Ensuite, je vais venir faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4. 5 et 6. Ensuite, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 24 mailles et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé tous mes rangs d'augmentation. Maintenant, ce que je vais faire, donc c'est 24 mailles serrées. C'est 24 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 6 tours. Donc 6 fois 24 mailles serrées et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 2 mailles serrées, une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je ferai une maille serrée, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles. Et le dernier rang, je ferai 6 diminutions. N'oubliez pas, comme d'habitude, de ouater. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser le nez. Donc pour ça, on va faire un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 4, 5 et 6. Et maintenant, je vais faire 6 augmentations. À la fin de ce rang, on obtiendra 12 mailles. Et ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 3 tours. Donc 3 fois 12 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait.
J'ai terminé mes 3 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ce que je vais faire, c'est 6 diminutions. N'oubliez pas de venir ouater petit à petit. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment réaliser les yeux. Je vais faire un cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 6 augmentations. Et à la fin du rang, j'obtiendrai 12 mailles. J'ai terminé, j'ai mes 12 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 18 mailles. J'ai terminé, maintenant je fais une maille coulée. Je garde du fil pour la couture et je coupe. Je vais en faire un deuxième et ensuite je vais faire la deuxième partie de l'œil avec mon fil noir. Pour la deuxième partie de mon œil, je prends donc mon fil noir, je viens faire un cercle magique six mailles serrées à l'intérieur. 4, 5 et 6. Et maintenant, je vais faire 6 augmentations. À la fin du rang, j'obtiendrai 12 mailles. J'ai pris ce bleu pour les yeux. Why not? Non. Pas ça. Quoi? J'ai un test à faire avec toi. Tu veux venir faire le test avec moi? Tu réponds oui ou non? Je ne réponds pas tant que je ne sais pas ce que c'est. Pour aller dehors. Pourquoi? Je filme. Dis-moi. Attends, je filme. Mais comment tu peux me comme ça? J'ai terminé mon rang, je suis venue faire une maille coulée, j'ai gardé du fil pour la couture. Et maintenant, je vais en faire un deuxième. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser le chapeau. Donc pour ça, je fais de nouveau un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 4, 5 et 6. Maintenant, je vais faire 6 augmentations, pardon. À la fin, j'obtiendrai 12 mailles. Ensuite, je viendrai répéter une maille serrée, une augmentation. J'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 24 mailles. Et le rang suivant, je ferai 3 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 30 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé, j'ai mes 30 mailles. Maintenant, ces 30 mailles, je vais les faire en mailles serrées. Alors, j'ai pris du fil blanc pour bien vous montrer parce qu'avec le noir, on ne voit pas très très bien. Donc, ce rang-là, je vais le faire seulement sur le brin arrière. Donc, vous voyez ici, vous avez les deux brins.
Moi, je compte seulement le brin arrière. Et je vais faire 30 mailles serrées, comme ça, seulement sur le brin arrière. J'ai terminé mon tour, donc vous voyez ici vous avez le brin qui n'a pas été travaillé. Et je vais continuer en mailles serrées, donc 30 mailles serrées. Et je vais en faire au total 5 tours, donc 5 fois 30 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Alors, j'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est seulement sur le brin arrière, donc là, tout à l'heure, on a fait sur le brin avant, maintenant on va prendre le brin arrière et on va faire, on va répéter 4 mailles serrées. Et 4. Et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 36 mailles. Attention, on le fait seulement sur le brin avant. J'ai terminé mon rang, maintenant ce que je vais répéter sur la maille en entière, c'est 5 mailles serrées et une augmentation. Et 5 et une augmentation. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 42 mailles. J'ai terminé, maintenant vous n'avez plus qu'à faire une maille coulée, garder du fil pour la couture et on aura terminé. Maintenant, je vais faire une petite fleur en décoration. Pour ça, je viens faire un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, je vais faire 6 augmentations. Une. Deux. Trois. Quatre. 5 et 6. Et maintenant, j'ai 12 mailles. Et ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées. Donc, je vais faire 12 mailles serrées. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Je suis venue changer de couleur. Donc, j'ai commencé ma maille serrée en jaune. Je l'ai terminée en blanc. Donc, j'ai une maille serrée ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une demi-bride dans la prochaine maille. Et à l'intérieur de la même maille, je vais faire 3 brides. 2 et 3. Et dans la même maille, encore une fois, je vais faire une demi-bride. Dans la maille suivante, je fais une maille serrée. Et je vais venir recommencer ce que je viens de faire. Donc dans la même maille, je vais faire une demi-bride, 3 brides, une demi-bride. Ensuite, je ferai une maille serrée et je recommencerai la même séquence. J'arrive à ma dernière maille. Donc j'ai fait une maille serrée et là, j'ai ma dernière maille puisqu'on a commencé notre rang avec une maille jaune. Et donc, je vais faire ma séquence de une bride. J'ai mal pris. Je recommence. Donc, une demi-bride, 3 brides, une, 2 et 3 et une demi-bride. Et dans la première maille de notre rang, donc la première maille jaune, la dernière maille jaune maintenant, je viens faire une maille coulée. Et nous avons une petite fleur. Alors maintenant, ce que je vais faire, ça sera une petite feuille. Donc pour ça, je reviens faire un nœud sur mon crochet et je vais monter des mailles en l'air. Donc
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Maintenant, je vais sauter la première maille et je vais faire une bride. Dans la maille suivante, je viens refaire une bride. Et dans la prochaine, de nouveau une bride. Donc au total, j'ai fait 3 brides. Dans les deux suivantes, je viens faire 2 demi-brides. Une et 2. Du coup, il me reste 3 mailles et je viens faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Maintenant, je viens monter 3 mailles en l'air. 2, 3. Et je vais venir travailler de l'autre côté de mes mailles en l'air. Donc, ici, la première, je viens faire une maille serrée. Et donc, je vais refaire le même nombre de brides, de demi-brides et de mailles serrées de l'autre côté pour que ça soit en miroir. Donc, je vais faire au total 3 mailles serrées. 3, 2 demi-brides. 1. Et 2, et je vais terminer par 3 brides. 1. J'ai terminé mes 3 brides. Maintenant, je vais venir donc au milieu ici. Là, j'ai ma bride, je viens au milieu. Et je vais venir faire que des mailles coulées en remontant jusqu'au bout. Donc voilà, je vais venir piquer à chaque fois. Arrive au bout et donc là j'ai plus rien à piquer, je vais juste faire une maille en l'air et je vais couper mon fil. Maintenant, je vais réaliser un petit nuage. Donc pour ça, pareil, je commence par un nœud sur mon crochet et je viens faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 mailles en l'air. Je saute la première et je viens faire 11 mailles serrées. J'ai fait mes 11 mailles serrées. Maintenant, dans la dernière maille, je vais faire 3 autres mailles serrées. 1, 2 et 3. Maintenant, je viens travailler de l'autre côté de mes mailles en l'air. Et je viens faire 10 mailles serrées. 1, 2, 3. Voilà, j'ai fait mes 10 mailles. Maintenant, dans la dernière, où j'ai fait ma dernière maille serrée, je viens refaire une maille serrée. Maintenant, je vais venir retravailler sur mes mailles serrées. Voilà, donc j'ai mis un marqueur pour pouvoir me repérer, sinon ça va être difficile. Donc, j'ai fait une maille serrée, 2, 3, et là, je viens faire 1, 2, et 3 brides. De nouveau, je repasse en maille serrée. 1,
2 mailles serrées et de nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Ici, je viens faire 4 augmentations en mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. De nouveau, je viens faire 3 brides. 1, 2 et 3. 3 mailles serrées, 2 et 3, 3 brides, 1, 2 et 3, et je termine par 2 augmentations en mailles serrées, 1 et 2. J'ai donc terminé mes augmentations, mes 2 dernières augmentations. J'ai fait ma première maille serrée, j'ai mis mon marqueur. Je viens refaire donc une maille serrée dedans. Ça veut dire qu'on commence par une augmentation. Je viens faire une deuxième augmentation. Et là, il me reste une maille serrée. Donc, je fais une maille serrée. Et là, on arrive à nos 3 brides. Tout simplement, je vais venir faire 3 augmentations en bride. 1, 2 et 3. Maintenant, je viens faire 2 mailles serrées. 1 et 2, on revient sur nos 3 brides et on refait 3 augmentations en bride. 1 2 et 3. Ici, je viens faire 2 mailles serrées et 3 augmentations en mailles serrées. 1, 2 et 3. Je viens faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3, et on revient sur nos 3 brides, donc comme tout à l'heure, 3 augmentations en bride. 1 2 3 1 2 3 mailles serrées et de nouveau 3 augmentations en bride. 1 et 3. Et maintenant, je termine par 2 mailles serrées et 2 augmentations. 2 Voilà, donc on a terminé notre rang, on a terminé par 2 augmentations. Là, je viens de faire une maille serrée, j'ai mis mon marqueur. Je viens faire 3
4 et 5 mailles serrées. Donc au total, 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées avec la première où il y a notre marqueur. Et maintenant, je vais faire 3 diminutions. 1, 3 diminutions et 4. Donc je m'étais trompée, c'était 4 diminutions. 2 mailles serrées. 1, 2. De nouveau, 3 diminutions. 1, 2, 3. Maintenant, je vais venir faire 2 mailles serrées. De nouveau, 3 diminutions. 1, 2 et 3. Ensuite, 1, 2 et 3 mailles serrées. 3 diminutions. 1, 3 diminutions donc. Ensuite, 2 et 3 mailles serrées. De nouveau, 3 diminutions. 1 et 3 diminutions. 2 mailles serrées. Et je termine par 2 diminutions. 1 et 2. Et nous avons fini pour cette partie de nuage. Donc je vais faire une maille coulée. Maintenant, je vais venir faire les gouttes. Donc on a fait notre première maille coulée. Je vais venir faire d'autres mailles coulées jusqu'à ce que j'arrive à l'endroit où je veux faire les petites gouttes. Donc ici, je vais faire des mailles en l'air. Alors vous en faites autant que vous voulez. Ça dépend de la longueur que vous voulez que ça ait. Bon, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais après, je ne vais pas les faire tous de la même longueur. Donc 7, je vais en faire 1. 8. Donc 8. Maintenant, je vais refaire 4 mailles en l'air. 3, 4. Je vais sauter mes 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et je vais venir faire 3 demi-brides. 1. 2 et 3. Et maintenant, sur toutes mes mailles en l'air ici, je vais venir faire des mailles coulées. Voilà, donc je suis arrivée au bout. Et maintenant, je vais refaire donc des mailles coulées sur le bord de mon nuage jusqu'à ce que j'arrive au prochain endroit pour faire donc la même chose de la taille que vous voulez. Voilà, donc j'ai fait ma dernière goutte de pluie. Donc je viens faire une maille coulée et je vais couper mon fil, en garder pour la couture. Et nous avons terminé cette petite partie. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser une petite écharpe pour cette chenille. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les petites parties que je vais vous montrer maintenant pour décorer. Donc voilà, c'est des petites choses que je vais faire en plus pour donner un peu plus de déco à ma chenille. Vous mettez ce que vous avez envie. Vous pouvez prendre des petites choses que moi, je fais ou rajouter d'autres choses selon votre imagination. Donc, je vais faire un nœud sur mon crochet. Je vais monter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 mailles en l'air. Et maintenant, je vais sauter la première maille et je vais faire 9 mailles serrées. 2.
4, 5, 6, 7, 8 et dans la dernière ici, 9. Pour cette écharpe, on va travailler en aller-retour. Donc je vais faire une maille en l'air, tourner mon travail et recommencer mes 9 mailles serrées. Et je vais monter plusieurs rangs comme ça jusqu'à ce que j'ai la taille que je désire. Terminé mon écharpe, voilà, j'ai fait 100 tours de mailles serrées. Maintenant, je vais terminer par une maille en l'air. Je vais prendre mon ciseau, garder un peu de fil pour la couture. Si vous voulez le coudre au cou, moi je vais le coudre. Vous, vous pouvez juste l'attacher au cou et ne pas le coudre. Dans ce cas-là, vous ne garderez pas de fil pour la couture. Et voilà. Alors, maintenant, je vais réaliser un petit champignon avec vous. Donc, comme j'utilise mes pelotes, mes fentes de pelotes et les pelotes que j'ai toutes seules, comme je vous ai dit. Donc, normalement, un champignon, d'habitude, je le fais en rouge et blanc. Comme j'ai plus de rouge, je le fais en rose. Donc, c'est pas très grave, vu qu'on fait quelque chose avec plein de couleurs, qu'on veut que ça soit pétillant. Donc, je vais faire un petit cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 9 mailles, une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 9 mailles. J'ai terminé, j'ai donc mes 9 mailles et je vais faire ces 9 mailles en mailles serrées. Donc je vais faire 9 mailles serrées. Terminé. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 2 mailles serrées et 2 et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 12 mailles. Terminé mon rang. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 3 mailles serrées, 2, 3 et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 15 mailles. Le rang suivant, je répéterai 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 18 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé, j'ai mes 18 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 2 mailles serrées et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 24 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 24 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 3 mailles serrées et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 30 mailles. Alors, j'ai terminé mon rang, j'ai mes 30 mailles. Maintenant, je vais faire ces 30 mailles en mailles serrées. Donc, je vais faire 30 mailles serrées. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 3 mailles serrées et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 24 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 24 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 2 mailles serrées et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 18 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 18 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin j'obtiendrai 12 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 12 mailles. Maintenant je vais changer. Alors je suis venue ouater un petit peu comme vous voyez, mais vraiment
Pas beaucoup parce qu'après j'aimerais rentrer un petit peu. Voilà. Donc, je disais, je vais changer de couleur. Donc, je vais commencer mon fil, commencer ma maille serrée avec mon rose et le terminer avec mon blanc. Je vais couper mon fil rose. Et je vais faire seulement sur le brin avant une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang. Seulement sur le brin avant et j'obtiendrai 18 mailles. Terminé mon rang, j'ai mes 18 mailles. Maintenant, c'est 18 mailles. Je vais les faire en mailles serrées pendant 3 tours. Donc 3 fois 18 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Terminé tous mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est une maille serrée, une diminution. J'obtiendrai 12 mailles. Le rang suivant, je ferai 6 diminutions. J'obtiendrai 6 mailles. N'oubliez pas de venir ouater petit à petit. J'ai terminé, j'ai bien ouaté. Maintenant, je vais garder beaucoup de fil pour la couture parce qu'elle va nous servir également pour la finition. Donc, j'ai pris mon aiguille. Je vais repasser au centre de mon dernier rang et je vais venir ressortir juste au bord. Je vais serrer légèrement pour que vous voyez l'intérieur rentre un petit peu. Ici, je vais faire un nœud pour que ça ne bouge plus. Voilà. Et maintenant, je vais venir faire mes petits points sur le haut de mon chapeau. Je ne vais pas hésiter à serrer un petit peu pour que vous voyez le chapeau rentre un peu plus dans mon pied. Et voilà, je vais venir faire des petits points un peu partout. Si vous voyez que, vous voyez là, il ne ressort pas très très bien, je vais venir faire plusieurs tours comme ça, il ressortira beaucoup mieux. J'ai terminé donc mon petit champignon. Je suis venue faire des petites taches un peu partout. Et j'ai bien rentré mon pied à l'intérieur du chapeau. Alors maintenant, je vais vous montrer comment réaliser le petit escargot. Pour ça, je viens faire un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Maintenant, je vais faire 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. De nouveau, et du coup, je vais faire, donc j'ai 6 mailles, je vais faire 6 mailles serrées et je vais le faire pendant 5 tours. Donc 5 fois encore, en plus de celui-là, 6 mailles serrées. J'ai terminé tous mes tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 9 mailles. Et ces 9 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 3 tours, donc 3 fois 9 mailles serrées. J'ai terminé mes tours de mailles serrées. Maintenant, je vais venir travailler dans le brin arrière. Et je vais changer de couleur. Donc, je commence ma maille serrée en marron. Je prends mon fil de couleur vert. Et je la finis. Je coupe mon fil marron et je vais cacher mes fils à l'intérieur. Donc j'ai bien caché mes fils à l'intérieur. Et je vais continuer à faire mes 9 mailles en mailles serrées, mais seulement sur le brin arrière. Terminer mon tour en mailles serrées seulement sur le brin arrière et maintenant je vais continuer en mailles serrées. Donc je vais faire de nouveau 3 tours en mailles serrées de 9 mailles serrées. Terminer mes rangs de mailles serrées. Maintenant ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin j'obtiendrai 6 mailles. Et une dernière fois. Voilà, donc j'ai mes 6 mailles. Maintenant je vais faire une maille coulée. Je vais garder du fil pour la couture. Et je vais couper. Pour bien fermer notre dernier tour, je suis venue prendre mon aiguille et je vais passer dans le brin avant de toutes mes mailles. Donc mes 6 mailles. Et la dernière, 6. Je vais bien serrer. Ça referme notre petit trou. Et je vais faire un nœud. Lisez donc notre petit escargot. Nous n'avons plus qu'à prendre le bout ici, à le rouler. Et donc, on fera des points de couture en aller-retour. Ici, ça donne une fois terminé. Pour les antennes, tout simplement, je suis venue prendre donc le milieu. Donc j'ai piqué ici pour vous montrer un peu comment le principe. J'ai attrapé un fil de couleur vert. Je l'ai fait ressortir. Et j'ai fait re-rentrer. C'est le principe que j'ai utilisé pour faire mes petites antennes.
les yeux, j'ai fait un aller-retour. Et voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser le petit soleil. Donc pour ça, j'ai fait un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. Et 6. Je viens faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4. 5 et 6. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 18 mailles. Maintenant, ces 18 mailles, je vais les faire en maille serrée. Donc, je vais faire 18 mailles serrées et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir faire, donc, j'ai fait une maille serrée pour commencer mon rang. Et dans la même maille, je vais faire une demi-bride, une bride, deux mailles en l'air, de nouveau une bride et une demi-bride. Donc tout ça dans la même maille. Ensuite, je vais venir faire une maille serrée. Et donc, je vais répéter ça, cette séquence, sur tout le rang. Dans la prochaine, je ferai une demi-bride, une bride, deux mailles en l'air, une bride, une demi-bride. Et je referai dans la maille suivante une maille serrée. Voilà, donc il me reste une maille. J'ai fait la dernière maille, c'est ma maille serrée. Et donc, je viens faire mon dernier petit pic. Voilà. J'enlève mon marqueur, je viens faire une maille coulée sur la première maille serrée qu'on avait fait durant. Et nous avons terminé pour notre petit soleil. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser mon petit papillon. Pour ça, je commence avec mon fil de couleur marron. Je viens faire un nœud sur mon crochet et je vais monter des mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 et 8. Ensuite, je vais laisser ce fil marron de côté. Je viendrai m'en servir plus tard. Je vais piquer, donc je vais sauter la première maille. Je viens dans la deuxième, je pique. Et je viens prendre mon fil de couleur jaune. Je le ressors. Je viens faire un petit nœud. Et je viens faire donc finir ma maille serrée. Maintenant, dans la prochaine, je vais venir faire 3 demi-brides. Deux. Et 3. Dans la prochaine, je fais une demi-bride. Et dans la suivante, je commence une maille serrée. Que je ne finis pas, je viens prendre mon fil de couleur rose et je la finis. Je viens faire un petit nœud. Et je ne vais pas couper mon fil jaune, je vais le laisser de côté. Donc ensuite, je refais une maille serrée
Et maintenant, je vais faire deux augmentations en demi-bride. Une. Et la deuxième. Maintenant, je vais aller directement dans l'autre côté de mes mailles en l'air, juste ici, et je vais faire une maille coulée. Dans la prochaine maille ici, je vais faire une augmentation en demi-bride. Et dans la prochaine, une autre augmentation en demi-bride. Dans la même maille, je viens faire une maille serrée que je ne termine pas. Je vais prendre mon fil donc, que j'ai laissé de côté jaune. Et je vais terminer ma maille serrée avec mon jaune. Donc je laisse toujours mon fil rose de côté. Dans la prochaine maille, je viens faire une maille serrée. Dans la suivante, une demi-bride. Dans la prochaine, je viens faire trois demi-brides dans la même maille. Et dans la dernière maille, je viens faire une maille serrée. Voilà, donc ça c'était le premier rang. Pour le deuxième rang, je vais venir directement dans ma première maille, si j'y arrive. Voilà, et je viens faire une maille coulée. Donc on se retrouve de l'autre côté. Et je viens faire deux augmentations en demi-bride. Une. Et deux. Maintenant, je vais faire une demi-bride. Et dans la prochaine maille, je vais faire une maille serrée que je ne termine pas. Je vais prendre mon fil de couleur rose et le terminer avec. La prochaine maille, je fais une maille serrée avec mon fil rose. Et maintenant, je vais refaire des augmentations en demi-bride. Donc, une. Deux. Et trois. Dans la prochaine, je viens faire une maille coulée. La suivante, une maille coulée également. Et dans la prochaine maille, je vais refaire des augmentations en bride. Une et trois. Donc trois augmentations. Dans la prochaine maille, je viens de faire une maille serrée. Dans la suivante, je commence ma maille serrée, je viens chercher mon fil de couleur jaune et je viens la finir. Dans la suivante, une maille serrée. Et là, je vais refaire la même chose que de l'autre côté. Que des augmentations. Oups, en demi-bride. Donc, alors, une, deux et trois augmentations.
Et maintenant, je vais faire 2 mailles coulées. Alors, la dernière maille coulée, je vais la faire avec mon fil de couleur marron. Et maintenant, je vais remonter ici, le bord, le milieu marron, en maille coulée. Je vais essayer de bien serrer pour que mon papillon soit légèrement recroquevillé. Et je vais terminer par une maille en l'air. J'ai terminé, donc j'ai coupé mon fil, j'ai gardé pour la couture. Et derrière, j'ai coupé mes fils jaunes et roses. Et je suis venue tout simplement faire des nœuds avec mes autres bouts de fil jaune et rose. Donc ça tombait bien, ils étaient juste à côté. Et je les cacherai quand je ferai la couture. Alors maintenant, je vais faire un petit tour en jaune sur mon petit chapeau ici. Donc pour ça, je viens faire un nœud sur mon crochet. Je vais monter le nombre de mailles nécessaires pour faire le tour de mon chapeau. Donc à la fin, je vous dirai combien moi j'en ai fait. Mais après, c'est facultatif, c'est selon comment vous vous crochetez. Moi, je vous conseille de venir vérifier que ça fasse bien le tour de votre chapeau. Voilà, donc j'ai terminé. Au total, j'ai 28 mailles en l'air. Je vais sauter la première, je vais dans la deuxième et je vais faire du coup 27 mailles serrées. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, je vais faire une maille en l'air. Je vais garder du fil pour la couture et je vais couper. Voilà, donc j'ai terminé. Je vais vous montrer toutes mes coutures. Donc pour les yeux, je suis d'abord venue coudre le noir sur la partie blanche. Puis la partie blanche sur la tête. Donc je les ai mis un peu avant, vous voyez les augmentations ici. Et j'ai mis le nez entre à 1, 2, 3 rangs en dessous. Je suis venue faire donc les sourcils, la bouche, le chapeau, vous le mettez où vous voulez, comme vous voulez. Moi je l'ai mis un peu sur le côté. Ensuite, je suis venue mettre sa petite écharpe. Je l'ai pliée en deux. Et j'ai fait un nœud. Je suis venue faire quelques petits allers-retours sur le cou pour pas trop que ça bouge. Pour les boules, je les ai cousues ensemble à peu près 3-4 ans avant la fin ou le début de mes rangs. Les pattes, pour les coudre, tout simplement, je suis venue poser mes boules à plat et je suis venue les mettre au bord, là où, pour que les pieds puissent toucher le sol. Ensuite, je suis venue coudre donc là où j'avais envie les petits accessoires. Après, vous pouvez faire comme vous voulez. C'est vrai que les personnes qui l'ont vu m'ont fait la remarque qu'il y avait des petits accessoires qui faisaient penser en fait aux saisons. Et c'est vrai que je n'y avais pas pensé de faire du coup chaque boule une saison. Printemps, automne, été, hiver.
Donc ça pourrait être une idée assez sympathique. Pour le nuage, comme vous voyez, ça fait des petites boules en relief. Donc je suis venue coudre tout le tour et ensuite je suis venue faire quelques points ici pour bien accentuer le relief que je voulais. Et voilà. Donc sur ce, nous avons terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à faire un petit tour sur mon Instagram, Les Petites Bouilles, où je mettrai plein de petites photos de cette magnifique chenille, où vous pouvez découvrir mes créations que j'ai déjà réalisées en tuto et où j'annonce mes futures vidéos. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.